Salut à toutes et toutes, ici JoeBlack67 pour une nouvelle vidéo. Ici sur je suis sur un nouveau terrain, enfin je suis déjà venu il y a quelque temps, mais pas de ce côté ici, j'étais plutôt là-haut. Et comme ici ils vont tout raser pour faire je sais pas quoi, un immeuble ou peut-être une usine. Donc j'ai décidé de faire la sortie ici de ce côté. Et mon premier trou, le voici. C'est une boucle, mais aucune idée de quoi. Normalement, je sais pas si c'est exactement ici dans ce champ, mais il y a eu il y a quelques années un cirque qui venait se poser ici, dans cette région par ici, enfin dans ce coin. Alors je sais pas si aura quelque chose par rapport à ça, je sais pas. Allez, on continue. Donc on est le dimanche 10 mars, hein, si jamais. Alors, deuxième petit travail, ici, un petit bouton, dommage, il n'est pas complet, un bouton lisse. Ouais, c'est bien ça. Bon, c'est pas mal pollué, hein. Alors, ici, pas très profonde, une nouvelle trouvaille. Elle est là, on voit ici l'empreinte, et la voici. Pour l'instant, j'ai déjà pu apercevoir un petit peu, mais aucune idée. Ça a l'air d'un truc chouette. Je sais pas si c'est un bouton ou quoi. Aussi, c'était un bouton. Les deux côtés sont un peu identiques. Oh, peut-être un truc qui fait partie d'une broche. On verra bien au nettoyage. Allez, on continue. Dans ce trou, un nouveau son. Pas terrible, mais bon. En attendant d'avoir mieux que ça, bah, on creuse. Et à côté du ver de terre, là, ici, on va aller voir, peut-être c'est rien du tout. Alors, est-ce que, on dirait que c'est un bouton quand même, un bouton très fin. Oui, c'est un bouton, il est très fin, donc par contre, ok. Bon, bah c'est sympa. Allez, on continue. Ça monte, hein, les amis. Alors, il est 11h moins quart. Donc, il me reste 15 minutes pour aller jusqu'à la voiture. Et probablement mon dernier son. Donc, je vais laisser comme d'hab le détecteur allumé jusqu'à la voiture. Enfin, presque. Et ici, assez profond. Hein. Comme ça, on ne se rend peut-être pas compte. Mais voilà, si je mets le pinpoint. J'étais quasiment au fond et là voilà une jolie boucle. Ouh, et puis elle est complète. Waouh, cool, super, magnifique. Voilà, nettoyer en douceur et on verra mieux ça au nettoyage. Cool. Allez, donc sorti pas trop mal, hein, donc pas de monnaie, ça arrive, hein. Mais bon bah voilà, j'ai respiré un peu d'air frais. Et une belle surprise avec ce briquet. La boucle maintenant à la fin. Je crois que la boucle elle est bouclée. Allez, à tout à l'heure pour le compte rendu. Ciao, ciao. Voilà, donc voici mes trouvailles d'aujourd'hui. Donc la moitié d'un plan de sac. Un bouton. Enfin, ce qui reste d'un bouton. Un deuxième bouton, celui-là vous l'avez vu je crois dans la vidéo, un troisième bouton, désolé pour l'ombre que je fais, celui-là comme je vous disais il est très fin, voilà, ici un anneau, enfin une rondelle, une deuxième, je montre pas dans l'ordre, hein. Je montre juste un peu... à la suite. Cet objet ici, vous l'avez pas vu. Il a un petit peu son poids et je pense qu'il est en bronze. Je me demande si ça serait pas un couvercle d'une pipe. Peut-être. Là, il y a le point d'attache.
Bon, il est en morceaux, donc il manque un petit peu quelque chose. Ce petit bout de ce pas de quoi, avec RELE. Un petit peu épais quand même, on ne sait pas trop ce que c'est. Enfin, je ne sais pas trop ce que c'est. Dommage de ne pas avoir trouvé le reste. Ensuite, cette petite chose que je pense c'est quand même une broche, hein, si on voit le point d'attache ici côté droit, le plus clair, comme une espèce de fleur, je suppose. Voilà. Donc en fait, c'était pas quelque chose, c'est juste quelque chose qui était collé. Mais je pense que ça doit être une espèce d'attache, ou alors un bouton, mais si c'était un bouton, non, je pense pas. Je sais pas, aucune idée. Alors la suite, la première boucle, vous les avez vues. Je sais pas si c'est, moi je dirais un truc pour les chevaux, peut-être. Je dirais. Je sais pas. Je peux pas vous dire plus. Bien fatigué quand même. L'avant-dernière chose trouvée, donc, c'est la petite boucle qui est complète. Voilà. Avec le côté là, avec le queue de poisson. Je sais pas comment. Si, c'est comme ça qu'on le dit, mais. Voilà. Ça va, elle est entière, c'est cool. Je n'en ai pas beaucoup comme ça, avec la queue de poisson. 3 ou 4, un peu plus grande que celle-là, une plus petite, si je ne me trompe pas. Et thank you.
Et le dernier objet, donc le très beau briquet avec des très beaux, très jolis motifs. Voilà, il faut un petit peu jongler avec la lumière pour bien voir les détails, les reliefs. Et de ce côté, un joli coco, un cheval blanc. C'est pas le cheval de Zorro, je pense. Voilà, mais c'est cool, c'est très content. Beaucoup de chenilles dans dans ce champ. J'avais déjà fait une fois, comme je vous ai dit, la partie plus haute, là, justement, où j'ai trouvé le briquet. Mais une sortie sympathique. Et peut-être bientôt, vous me verrez en détection avec un petit jeune fils qui s'est intéressé à la détecte, qu'il aime bien. Et peut-être bien que bientôt, vous me verrez justement avec lui faire une sortie détection et pour passer à l'apprentissage pour l'avenir, quoi, pour la suite. Allez. Bon, bah, merci beaucoup de votre passage. Si vous avez des commentaires, vous pouvez le faire, je vous répondrai. Et je vous dis à tout bientôt et bonne détecte à tous et une bonne semaine. Allez, ciao, ciao, bye bye, à plus.